Oh. Bon, salut à tous, nous voici au Fitness Park de Saint-Ouen, à 2 mètres, à 2 mètres du RERC et du métro 14. Donc voilà, magnifique salle de fitness. On vient ici dans le Fight Park, bah justement pour utiliser ce compartiment, hein, qui permet de boxer avec des sacs et tout, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, on a fait venir l'équipe de France, oui madame, l'équipe de France de MMA. Eh ouais, on n'a pas fait les choses à moitié. L'équipe de France du MMA. Et la substance du MMA, c'est d'utiliser chaque art martial les plus efficaces pour en faire un agrégat le meilleur possible. Hein. Chaque athlète a une spécialité. On a fait venir un spécialiste dans chaque spécialité et on va les faire se taper entre. Vous n'avez pas très bien compris? Le mieux, c'est d'aller voir. Hein. Bon, qu'on n'oublie pas, si on veut s'inscrire au Fitness Park, le lien est en description. Hein, voilà, allez, Fitness Park de Saint-Ouen. Allez, go, suivez-moi. C'est parti, c'est par là que ça se passe. Ouh, amélioration du cardio, perte de poids. Ça va. Et regardez-moi tout cet espace de musculation. Donc des machines guidées, des poids libres, tout pour les jambes, le haut du corps, le dos, les pecs. Les machines sont super propres. J'adore m'y entraîner en tout cas. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. MMA ou arts martiaux traditionnels. Donc on a à gauche la fameuse équipe de France de MMA qui nous reviennent des championnats du monde. Champion du monde, levez la main. Allez, il y en a qui est bon. Qui a eu une médaille d'argent? Médaille de bronze? Qui n'a rien eu? Bon, voilà, bon, bah ça c'est la première équipe de France officielle de MMA. Hein, avant il y avait des équipes de France de MMA, mais c'était pas officiel, hein, j'en ai fait partie. Mais maintenant, voilà, c'est des fédés, c'est carré, voilà. Et en face, on a des spécialistes dans leurs disciplines respectives. Chaque participant a une spécialité et va affronter justement un spécialiste qui lui correspond. MMA ou arts martiaux traditionnels? Lequel est le meilleur? Qui a influencé qui? Qui était là en premier? Qui va vaincre? C'est clair ou c'est pas clair? C'est sûr, on n'est pas chez Bernard Pivot, donc. En gros, ils vont se bagarrer. Il y en a qui vont faire de la lutte, d'autres du judo, d'autres du kickboxing, d'autres de l'anglaise. Et d'autres du grappling. Hein, c'est pas très compliqué tout ça. Comme ça, on va voir ce que valent chaque généraliste dans leur spécialité. Je trouve ça passionnant, c'est passionnant. Pourquoi je me bats pas? Pourquoi? Parce que je me bats dans un mois, donc je vais pas me blesser, je vais pas me tordre la cheville, me froisser une oreille. Hein, 26 janvier, aux Élites de Paris, Hexagone MMA. Mais pour l'instant, l'équipe de France de MMA contre nos champions de chaque spécialité. Mesdames et messieurs, échauffez-vous. Et est-ce que le gagnant remporterait pas un cookie my protein? Autant vous dire, c'est bien mieux qu'une médaille de champion du monde ou je ne sais quoi. N'est-ce pas? Hein? Cookie my protein, moins 30% avec le code Greg MMA. C'est parti. Des échauffements spécifiques à chaque sport. Hein. Le judo, ils travaillent leur grippe, leur explosivité. Voilà, kickboxing. Ils travaillent son allonge, son relâchement. Là, on a le grappleur. Voilà, des petits drills pour se relever. Voilà, on a un élève d'Alexandre Didier hein, qu'on avait reçu. Très grand judoka. Donc, on a du très beau monde aujourd'hui. Là, il est le lutteur, travail d'explosivité, de timing des déplacements. D'ailleurs, on va commencer avec les lutteurs. À l'époque, pour combattre en MMA, écoutez, bah, il fallait faire un peu de lutte, un peu de judo, un peu de boxe, un peu de jiu-jitsu brésilien. Et après, on essayait de faire un conglomérat de tout ça. Et puis, on allait au charbon. Aujourd'hui, voilà, il y a des clubs spécifiques de MMA où on apprend tout. Parfois, il y a un référent. Et ensuite, il y a plein de spécialistes qui vont permettre d'accompagner l'athlète de la meilleure des façons. Donc aujourd'hui, nous avons un champion du monde de MMA amateur. Voilà. C'est les premiers du coup? Est-ce que tu es le premier du coup? Ouais, un junior. Oui, oui. Tu as quel âge d'ailleurs? 19 ans. 19 ans. Rappelle-nous ton nom, ton prénom et ton background. Je m'appelle Souhil Areski. J'ai 24 ans amateur et je fais du MMA depuis l'âge de 13 ans. Et de la lutte, tu en as fait pendant? Un an. Un an, d'accord. Donc en face, t'as un gros morceau en lutte. Ouais. Hein? Pareil, est-ce que tu peux te présenter à... aux internautes? Alors moi c'est Yeza Marwan, donc je suis en équipe de France de lutte dans la catégorie des moins de 65 kilos, multiple champion de France, troisième au championnat du monde universitaire et champion des Jeux de la Francophonie. Voilà.
Donc ouais, c'est un gros morceau hein, à qui il a affaire. Je vous rappelle les règles de la lutte. Si j'ai des bêtises, vous me le dites. Donc c'est comme du judo, sauf qu'on a le droit d'attraper les jambes et puis on n'aura pas le droit de saisir la veste. Le but, faire tomber l'adversaire idéalement sur les épaules avec le plus d'amplitude possible et le maintenir si nécessaire. C'est ça? Ok. Taille, poids? 1m68 pour 64 kg. 1m68 et là je fais 67 kg. On y va pour 3 minutes, messieurs? Magnifique, magnifique. Très impressionnant, très impressionnant. J'ai pas envie de dire qui a gagné et qui a perdu, bon. Mais, impressionnant, hein, cette lutte. Il a des bons contrôles. Oui. Ouais. En vrai, il lutte pas mal. J'ai galéré un peu, mais... Bien sûr. Il défend bien sur les jambes. Il a essayé l'enfourchement plusieurs fois. Oui. Et franchement, il rentre bien, du coup, c'est pas mal. Voilà, donc, bah, rendez-vous compte, là, le niveau est stratosphérique ici, en lutte. Hein, c'est vraiment... du top niveau, donc on a vu des super choses. À un moment, tu l'as levé, mais tellement haut. Ouais, mais parce que c'est lui qui est monté. Du coup, j'ai juste besoin de... Ouais. Le crochetage, à un moment, ouais, là, tu l'as verrouillé, il est tombé bien à plat. Ouais. Et ensuite, l'espèce d'outil matin, là. Ouais, c'est ça, ben, ça se rapproche un peu du judo. Il y a de la similitude aussi dans nos sports. Du coup, Uchimata, c'est bien passé, du coup, c'est bien. Merci à toi. Merci à vous. On va mettre ton Instagram si vous voulez prendre des cours ou venir dans sa salle. Ça marche. Très impressionnant. Merci beaucoup. Merci. Impressionnant également. Ouais. Parce que là, c'est un niveau européen, plusieurs fois champion de France. Donc, tu t'es bien débrouillé. C'est sûr, c'est sa spécialité, donc c'est très dur. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, il est très solide dans le grip. Après, c'est ça. C'est dans le grip, très solide. Il est bon. Et les changements de niveau, les... Ouais, ça... Parce que j'ai vu qu'il passait parfois en body lock, après il chopait la jambe. Il faisait ce qu'on appelle le chain wrestling, c'est ça? Ouais. C'est ça, n'est-ce pas, hein? Passer d'une technique à une autre? Ouais. C'est très...
très bien. C'est très impressionnant ce que tu as fait également, face à un spécialiste de cet Akabi. Et en tout cas, nous, on te félicite hein, pour ton titre de champion du monde. Et j'espère que tu nous rapporteras plein de médailles pour la France. Ouais, merci. Merci encore. Merci, merci à toi. Merci. Bravo à vous. Merci. Merci. Ouais, bien, bien. Ça, ça fait plaisir de voir les arts martiaux à ce niveau. Hein. Très impressionnant, très impressionnant. Messieurs les kickboxers, c'est à vous. Alors tout à l'heure, on a eu un top niveau en lutte, mais on n'aura pas que des champions dans chaque discipline. Donc là, on a Charles, hein, qui est mon élève, qui est un kickboxeur honorable, hein, d'accord. Est-ce que tu sens le traquenard ou pas? Un peu, mais ouais, ça va le faire. Il a beaucoup progressé cette année, donc je suis content de le faire participer à cette vidéo. Âge, taille, poids? 20 ans, 67 aujourd'hui, et âge, taille, 1m85. Et toi, tu peux nous te présenter? Moi, je m'appelle Samba Sima, j'ai 20 ans. Je suis combattant de MMA, champion de France en moins de 61 kg, numéro 3 mondial. Je fais 1m75 et 63 kg. Et ta spécialité, ce serait plutôt donc le kickboxing? Non, je suis polyvalent, je sais faire du grappling aussi. Oui, bien sûr. Mais en combat, c'est mon striking qui domine. Oui, t'as mis quelques KO au championnat du monde? Quelques KO, je suis à 14 victoires pour 3 défaites. Et la moitié des victoires, c'est par TKO, soumission ou KO. Impressionnant, impressionnant. Ok. Ce que je vis chaque semaine? Un peu, ouais. Compliqué, mais bon. En vrai, c'est cool, il m'a pas allumé non plus. Pas voulu finir. Non, cool. Ouais, bah, écoute, c'était pas mal. Manquait de points, mais ouais. Les jambes étaient correctes, la garde était haute. De temps en temps, on tournait un peu la tête, mais
C'est pas mal, mon Charles. Je suis content de toi. Très belle allonge. Merci. Très beau enchaînement. Merci. Tu montes visage, corps. Tu n'es qu'une jambe. Donc le classique du pied-point. Tu aimes bien diversifier tes zones d'attaque. C'est un peu ça ton style. Et le relâchement dans les points. C'est ça. Ouais. J'essaie d'être mobile. Voilà, j'ai pas tapé fort. J'ai voulu être rapide. Parce que bah, y a aucun intérêt à mettre KO pendant la vidéo. Et voilà, il est bien aussi. Quand il accélère, c'est pas mal. Mais voilà, j'ai pris un petit peu le dessus avec mon style. Bien sûr. Et voilà. Ouais, toi, c'est un petit jeune, toi, il a deux ans, c'est ça maintenant de... Ouais, un an et demi. Donc. Bah, c'est bien, tu l'as mis de bonne base, donc c'est bien. Des beaux kicks, tu cherchais le foie là, de temps ouais, en temps ouais. Je tapais en bas au foie, avec kick aussi, comme ça je varie les zones. Et voilà, c'est ça qui met beaucoup de scoring dans nos combats. Ouais, et puis tu frappes et je vois que tu as ce qu'on appelle un in and out. Ouais. Tu frappes, boum, 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 et tu ressors ouais. Pour être tout de suite disponible, c'est ça? Exact. C'est ça qu'on apprend beaucoup en MMA ouais. Pour éviter aussi d'être dans la zone où l'adversaire peut lutter, etc. Donc je rentre et je sors. D'accord, très impressionnant. Et je pique et je sors. Bravo, bravo. Tes prochaines échéances, du coup Je combats en janvier à l'AEF. Et, en pro, du coup En amateur. En amateur, tout. Et ensuite, j'ai les championnats d'Europe en MMA en février ou mars, avec l'équipe de France. Et là, tu avais... Quels étaient tes résultats sur ce dernier championnat du monde? Je suis arrivé troisième. Troisième. J'ai perdu à la décision partagée contre l'adversaire de Souil. Mais bon, je gagnais ce combat, mais bon, c'est la décision des juges. Bon, en tout cas, très impressionnant. J'aurais fini champion du monde. La prochaine fois, on te le souhaite. J'espère. Merci beaucoup. Et j'étais ravi de te recevoir. Merci Greg, merci à toi. Merci Charles. Bien joué. Quel bel affrontement de kickboxing on vient d'avoir. Maintenant, on va assister à un des arts martiaux les plus emblématiques, hein, des sports de combat ou de l'écosystème martial en tout cas, le fameux judo. Hein, le judo. Bon, tout le monde connaît. Hein, on a le judo, le karaté, c'est vraiment les sports emblématiques qu'on retrouve énormément en France et on a eu énormément de champions en France. Notamment David Douillet et Teddy Riner. Donc aujourd'hui, on reçoit un élève d'Alexandre Idir, hein, qu'on a déjà reçu. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Faris Mekouk, j'ai 19 ans, je suis licencié au Flamme 91 et je suis médaillé au championnat de France plusieurs fois et en European Cup. D'accord. Voilà. Et d'accord. Je suis l'élève d'Alexandre Idir et Kylian Le Blouk, champion olympique par équipe. Quelle ceinture tu es d'ailleurs? Blanche. Blanche? C'est bien, ceinture blanche. C'est pas mal. Dans combien de dan? Premier. Premier ouais. Et tu as quel âge, le poids? 19 ans et en moins de 100 kilos. Ouais. Et tu pèses combien aujourd'hui? 100. 100 kilos, ouais, tout rond. Tout rond. Je suis ravi de te recevoir. Également. Et même si le judo, hein, c'est difficile. C'est un art martial que je ne maîtrise absolument pas. Et ici, nous avons donc le représentant du MMA. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous te présenter aux internautes? Alors moi, je m'appelle Nel Ariano, j'ai 28 ans et j'évolue en poids lourd dans la catégorie amateur. Et je suis champion d'Europe amateur de MMA et troisième au championnat, dernier championnat du monde d'où on revient. D'accord, donc des beaux résultats. Oui. Toi, ton background, c'est le judo du coup? C'est le judo. Pareil, ceinture noire? Ceinture noire aussi. Premier dan? Premier dan. Tu as eu des titres en judo? J'ai été champion de France junior, j'ai été trois fois médaillé au championnat de France première division. Ah oui? Et voilà, quelques médailles sur les compétitions internationales, ouais, quelques médailles par-ci par-là. Donc là, on va avoir du très haut niveau de judo. Il faut savoir qu'il y a des arts martiaux ou des sports de combat. Tu peux être champion de France en mettant un coup de pied dans une poubelle, parce que voilà, on n'est que deux. Mais alors en judo, les gars, ils sont 30-40 par catégorie, c'est ça, hein? C'est ça. Donc autant vous dire que quand on décroche une médaille dans une compétition internationale ou même nationale de judo, c'est dire le niveau de ces deux athlètes. Âge taille poids aujourd'hui? Alors, à mon âge, j'ai 28 ans. Et mon taille 1m93 et mon poids, là, 103 kilos. 103 kilos. Oh, bah, je vais sortir tout de suite de là, parce que ça va en mettre des étincelles. Mesdames et messieurs, place au judo. 3 minutes. Messieurs, c'est à vous. Allez, à Jimmy.
relâchez. Impressionnant, très impressionnant. Sans doute l'affrontement le plus équilibré pour l'instant. On a eu affaire à deux montagnes hein, qui se sont rencontrées. Petit dé à Shibara et après tu partais sur un Ouchigari, c'est ça? C'était plus qu'Ouchi, puis je suis parti sur Ouchi. Comme je le sentais un peu sur l'arrière. Après, bon, il y a les cordes du ring un peu. Sinon, j'aurais pu un peu continuer. Mais il a un très bon niveau. Ah bah, tu m'étonnes, oui. Il a une bonne base au niveau du Kumikata. De toute façon, je connais ses entraîneurs, j'étais à l'INSEP avec eux. Ah, d'accord. Kylian et Alex. Alex qui était aussi mon concurrent sur la fin de ma carrière. Il y a un an et demi, quoi. Alexandre Idir. On était dans la même KT. Et donc voilà, ouais. Plutôt engagé, il est assez physique. Une belle garde en droitier. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de neutraliser sa main droite, sa manche, pour ne pas l'empêcher de produire du judo. Mais il a de belles attaques d'épaule. On a vu des séries partir et tout. Ah ouais, puis à la fin aussi, ils sont... À la fin, c'était pas mal. À la fin, j'ai eu chaud un peu. Magnifique. Merci beaucoup. Magnifique. Très impressionnant également. Moi, je pensais que c'était un mec lambda. Du coup, bah, c'était un combat, ça peut être un premier tour d'un championnat. Ça, même s'il a arrêté le judo depuis un petit bout de temps, mais... Ah ouais, je m'attendais pas à ce niveau, équipe de France de MMA. Ouais, non, très, très solide, très costaud. Ah ouais. Et j'essaie de descendre dans tout son centre de gravité. C'est vrai, c'est comme je suis plus petit que lui. Ouais, ta dernière technique, elle était folle. Là. Tu lui as mis les bras comme ça, les deux manches, sauter dessus les kamigoshi. Ouais. D'ailleurs, je t'ai vu un petit peu. Une fois que le combat arrive au sol, toi, tu poursuis pas. En judo, on a quoi? On a 5 secondes, 10 secondes pour travailler? Alors, tant que la situation elle avance, l'arbitre, normalement, il n'a pas le droit de dire maté. D'accord. Donc, tant qu'on travaille, tant qu'on bosse, l'action continue. En revanche, dès que c'est fini, bah, l'arbitre dit maté, on reprend debout. Donc, ce qu'on appelle le newaza en judo, ça a été un petit peu mis de côté au profit du... Ouais. Comment s'appelle le debout? Tachiwaza. Tachiwaza, c'est ça, hein? Exactement. Après, lui, par contre, je sentais qu'il voulait bosser au sol. Oui. Moi, non. Mais pour, on va dire, donner un peu plus de show debout, le judo, ça part debout, donc
Mais le sol très important. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi, Greg. Merci. Juste avant, est-ce que du coup, au dernier championnat, tu as fait, tu m'as dit ? Du monde, j'ai fait champion d'Europe au dernier championnat d'Europe. Oui. Et j'ai fait troisième au dernier championnat du monde. Bravo. Merci. Et tu les as finis comment, du coup ? Est-ce que ton judo te sert énormément ? Mon judo me sert énormément, surtout, j'ai commencé le MMA il y a un an et demi. Au début, je mettais beaucoup de projections. Ça fait un an et demi que tu boxes ? Ouais, ça fait aussi un an et demi que je boxe. Du coup, je mettais beaucoup de projections et tout. Mais là, de plus en plus, tu sais, les adversaires à un niveau, ils analysent et ils se rendent compte que je fais du judo. Donc, ils bloquent beaucoup les projections. Ça devient plus dur. Donc, j'ai beaucoup appris de lutte aussi pour combiner avec, être complémentaire avec mon judo. D'ailleurs, on n'en a pas parlé avec tes camarades, mais est-ce que le professionnalisme vous tente à l'avenir ? Oui, moi, c'est clairement un objectif clair dans ma saison. Mm-hmm. Parce que le but, quand on a commencé avec Loïc Porra, et même Tonton, mon nouvel entraîneur, on avait dit on ferait une quinzaine de combats. Là, on les a atteints. En courant 2024, je devrais passer professionnel. Ah bah, il est bien entouré avec Tonton et Loïc Porra, des pionniers, des piliers du MMA français. Hein. Merci encore. Merci à toi. Merci. Merci. Des cookies, my prot. Je voulais les donner aux vainqueurs, mais il n'y a pas de vainqueur. C'est l'école des fans. Tout le monde en veut, tout le monde en a. Tu en veux un ? Oh, il l'a attrapé. Tu en veux un ? Une vraie fouine, celui-là. Et même avec les moins 30%, des cookies de qualité chez MyProt, de la protéine, du collagène, de la créatine et du textile. Merci, MyProtein, moins 30% avec le code GREGMMA. Allez-y, c'est cadeau. Judo, boxe anglaise, tout ce que j'adore. Hein. Ouf. La boxe anglaise, voilà. Ce qu'on appelle le noble art. Deux adversaires sur un ring et on se met que des golden. Voilà, c'est clair, c'est limpide. C'est vraiment le sport de combat qui a fait vibrer les foules, notamment au cinéma. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la boxe anglaise et le MMA qui viennent au Cinoche. Delphine ! Bonjour. Bonjour. Vice-championne du monde de MMA amateur. Donc bravo. Merci beaucoup. Âge, poids, taille. 1m62, 58 kilos et j'ai 28 ans. Et donc ta spécialité, ce serait plutôt les percussions de poing. Oui. Quelques KO ? Ça arrive. Bon, ça arrive, ça veut dire que oui, souvent. Tu avais pratiqué l'anglaise en amateur également avant ? J'ai commencé par le grappling, puis je me suis mise au MMA. Et comme je ne savais pas très bien striker, j'ai commencé l'anglaise ensuite. D'accord. Donc c'est un parcours assez atypique, venir du grappling jusqu'à la boxe anglaise. En général, c'est pas ce qui se fait fréquemment. Exactement. Ils n'aiment pas les coups, les grappleurs, normalement. Non ? Toi, t'aimes les coups, toi ? J'aime bien les mettre. Moi aussi. Je n'ai pas l'air de savoir. Ça s'est vu, n'est-ce pas ? Oh ! Samantha ! T'as la bouche sèche ? Ouais, un petit peu. Comment tu vas, Sam ? Très bien. Je suis contente d'avoir l'opportunité de boxer contre Delphine, que je ne connaissais pas. J'ai regardé un peu son profil avant de venir. Et c'est trop cool de boxer contre des meufs un peu qui ont du niveau. On n'a pas souvent l'occasion. Donc. Exactement. Donc Samantha, qui combat de temps en temps, qui fait des interclubs, qui est au Maccabi, sous la tutelle de Noah et de Michael Cohen. Hein ? Exactement. Voilà, donc une boxeuse vaillante qui aime prendre des coups et qui aime bien en mettre également. Hein. Ouais, plus en donner qu'en mettre, idéalement, mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc, toi, ta spécialité, ce serait plutôt quoi ? Les déplacements ? Non, j'ai un bon bras arrière, je dirais. Voilà. Ah, on le dit pas, allez. Elle a pas entendu. Non, mais c'est bon, je lui fais confiance pour gérer ça. Ok, Samantha. Un petit round de 3 et on rentre à la maison entière. On va essayer. Allez, j'en suis sûr. Ah, mesdames, allez. Percute. La caméra, il rentre à chaque fois. Oh, ouais. Voilà.
Ramène bien ton bras avant, yes. Pour que t'as frappé. Ça bouge, bouge, bouge. C'est bien. Oui, c'est bien, super. Bien, ça va. Belle projection. On continue si ça rentre. Encore. Tourne à droite. Souffle bien. Ouais, souffle bien. Retiens pas ta respiration. Continue avec ton bras. Depuis que je te connais, bien les progrès. Ok, cool. Ah, t'es restée en face, c'est une guerrière, elle envoie du lourd. Donc tu t'es bien débrouillée. Ok, top. Moi, je suis content de toi. Top, merci. Moi, j'ai essayé de suivre tes conseils, mais des fois, j'étais un peu... Bien sûr. C'est bien, t'as bien respiré, t'as tourné quand il fallait. Ok, top. T'en as pris des bonnes. Après, elle m'a bien cadré tout le long. Moi, je suis restée un peu trop dans les coins. Ouais. Je bougeais pas assez. C'était super intéressant. T'es en face, je suis très content de toi. Cool, merci. Ils vont être fiers, tes profs. Mode pitbull ? Oui. C'est ça, hein ? C'est ça. Donc, c'est tu cadres, tu te penches légèrement la tête et t'envoies les missiles ? Ouais, j'essaie de varier les zones de frappe. Oui. J'envoie pas mal de débit. Donc, comme il disait, le cross du bras arrière, comment ils appellent ça ? Le coup le du sac à main ? C'est-à-dire que t'as ton coup de sac à main, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est quand l'adversaire envoie un bras avant, boum ! Ah, d'accord. Oui. C'est un espèce d'overhand dans MMA. Ouais. Très belle boxe. Vous voyez là, ces deux femmes, voilà, elles sont restées en face. Elles ont tourné de temps en temps pour se trouver de la distance, de l'aération. Et ensuite, ça envoie. Hein, donc, parfois, je peux dire oui, bon, les nanas, non. Non, mais ça, je suis très impressionné par ce que vous avez fait. Merci beaucoup. En sachant que voilà, c'est une combattante complète, deuxième vice-championne du monde de MMA, qui peut mettre les gants avec une spécialiste de l'anglaise. Donc, très impressionné. Merci beaucoup. Voilà, et toujours beaucoup de douceur dans ce sourire, avec ses jolis yeux, et puis elle monte dans la cage, et puis elle va se battre. Tes objectifs à moyen terme, long terme ? Alors, à moyen terme, là, je passe pro. Donc, bravo. C'est de monter à 4-5-0, et un petit peu plus long terme, rentrer à l'UFC. Ah d'accord, donc des objectifs colossaux, hein, si je peux dire. Mais voilà, c'est comme ça qu'on arrivera à toucher les étoiles, c'est en essayant d'atteindre la lune. Donnez à cette femme un cookie. Donnez à cette femme un cookie. Hein, elle a bien fait de venir. Quelques coups dans la gueule pour des cookies MyProc. Merci Delphine. Merci beaucoup. Bravo encore à toi. Merci. Des cookies pour tout le monde. Hein, grâce à MyProtein. Moins 30%. Et pour vous, ce sera même moins 35%. Dernier affrontement, le grappling. Ok. Les gars, ramenez-vous là par là. Donc, vous avez vu comment c'est. Je suis super impressionné. Je serais content de voir ça. Ce mélange des arts martiaux et ce travail spécifique de chacun qui est absolument merveilleux. Et c'est ça l'avenir du MMA, c'est s'inspirer des meilleurs dans chaque discipline pour atteindre l'excellence quand tout est permis. Bon,
On finit avec le grappling. Hugo Vidal. Enchanté, c'est moi. Donc lui, il est avec mon ami Paul Marconi dans le sud. Et Paul, il me dit, je devais préparer mon combat. Paul, il me dit, tiens, tourne avec lui. Mais je fais, mais il est tout petit et tout. Ah, c'est une furie. C'est une furie. Très, très bon grappleur. Et il a affronté Paul Dena. 3 fois, c'est ça, vous êtes affronté? Exactement. Oui. Donc on est à 2 pour Paul et 1 pour toi. Non, l'inverse. 2 pour toi, 1 pour Paul. Alors exactement. Pourquoi c'est Paul qui est sur le devant de la scène? Parce qu'il a utilisé son image, il a bien travaillé dessus. Donc tout en l'honneur est à lui. Mais en tout cas, c'est de la bonne concurrence. C'est pas du... Oui. Je vois que vous êtes amis, c'est des mecs qui sont amis. Et puis ils sont foutus 3 fois sur la tronche en MMA. Ça, c'est aussi des valeurs qu'on aime dans les sports de combat, dans les arts martiaux. C'est cette fraternité. Bah, même si c'est au-delà de la bagarre, tu vois. Bah, c'est comme moi avec Ibra, il a mal à l'œil, j'ai envoyé plein de messages de soutien et je suis content d'ailleurs que je pense que ça va aller mieux. C'est ça, c'est pas que du sport. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait du coup au championnat du monde? J'ai fini en 8e de finale. J'ai gagné mes 16e contre l'Azerbaïdjan et j'ai perdu la décision contre l'Ukraine. Donc voilà, c'est une bonne première. Ah ouais, beaucoup de force, mauvaise gestion de la stratégie pour moi. Oui. Mais voilà, il n'y a pas d'excuse, il était meilleur et c'est que partie remise pour les prochains IMAF. C'est ce que me disait Paul à ton sujet, il me disait. T'es très bon, mais parfois, t'as du mal à rester concentré et tu as tendance à aller à la bagarre. Exactement. C'est toujours vrai? J'essaie de le travailler avec Johnny, justement, là, l'US Metro. On fait en sorte de planifier de meilleures choses pour moi, un meilleur game plan. Et il faut que je sois plus à l'écoute. D'ailleurs, on n'a pas remercié Johnny Frachet et Lionel Brézéfin, hein, des gens qui travaillent dur pour que le MMA prenne son envol. Hashtag poids 24 ans, 1m69, 69 kg. Et spécialité grappling? On va dire ça comme ça. Ouais, non, il est fort. Il est très fort. Et Tahiti Bob? Anis Bembara, 1m81. 1m combien? 81. 80? 81. 81? Oui. Tu te fous de ma gueule? Non. Donc 1m80? 1m80, 1m78. Pour combien de kilos? Je combats au moins de 64. Moins de 64? Ouais. Donc toi, tu es élève au Maccabi également? C'est ça, avec Jumé Sangaré, etc. Jutsu, je représente. Voilà. Ouais, avec ce bon vieux Dium qui est là-bas. Donc spécialité grappling. C'est ça. Donc il m'a dit que tu étais un compétiteur dans l'âme. C'est ça. T'adores ça, la confrontation. C'est ça. T'as déjà fait des compètes? Beaucoup. Beaucoup? Oui. T'es ceinture quoi d'ailleurs? Blanche. Blanche? Ouais. Ouais, mais ça, faut se méfier. Hein. Oui. Ta spécialité, dis-le-moi à l'oreille. Les triangles. Ok. Toi, ta spécialité? Taper dans la gueule. Presque. D'accord. Bon, il n'y aura bientôt plus beaucoup d'air dans cet environnement. Allez, vous allez. Oh, oh, oh. Allez, les deux. Ah. Hein? Avec celui-là? Avec celui-là? Bah, tout à l'heure, tu m'as dit non. Grappling. 3 minutes. C'est parti. Donc le grappling, c'est le judo, la lutte mélangée avec des soumissions au sol. Belle défense. Oh, magnifique! Magnifique défense. Allez, go. Hugo Katek est fort en guillotine. Mais la défense était magnifique. Il ne s'est pas laissé verrouiller. C'est superbe. Superbe. Imanari roll. Donc ça, c'était assez osé. Hein. Une clé de jambe. Hop, revenez au centre, messieurs. Debout. Allez-y. Donc on voit deux styles différents. Hein. Hugo qui est très en force. Contre son partenaire qui est beaucoup plus en roulade circulaire. Attention à la clé genou, rotation était presque passée.
C'est une clé très dangereuse. Ton bras sous l'aisselle, bras gauche. Tente ta spécialité, frérot, si tu peux. Sprawl. Oui, le sprawl. Oh! Quelle guillotine! Elle n'est pas passée loin. Ouais. Mais il a très bien défendu. Ouais, il a bien défendu, il ne s'est pas laissé enfermer. Pas de souci, il a tourné. Il a bien rentré la tête, sorti avec les bras. Une bonne défense qu'on apprend. Il a fait ça très bien. Et la clé de talon en rotation, pareil, elle n'était pas loin non plus. Hein. Ouais, mais je me suis dit, si jamais je tourne et que je ne sais pas s'il l'a fait, ouais. Est-ce que je lui... même nous, à MMA, on n'a pas le droit de la faire. Réflexe de Paul. Je l'ai écrit, après je me suis dit, j'ai lâché un peu parce que c'est vrai que c'est dangereux. Ah, c'est vrai que Paul, il a cassé deux genoux comme ça en compétition. En MMA et en grappling, ouais. Tout dans ma boule. Donc les réflexes, après nous on n'a pas le droit. La ceinture blanche et bleue on n'a pas le droit, lui non plus. Donc faut respecter aussi ça. Super ton amené au sol, pourtant il a bien sprawlé, mais ton body lock il était verrouillé et t'as pu le soulever quoi. Ouais, donc ça c'est. Très impressionnant. Une bonne chose. Il a très bien combattu donc. Voilà. Merci Hugo. Avec plaisir. Suivez-le, hein, parce que lui aussi il veut de la notoriété, il n'y en a pas que pour Paul. Dans la MMA. Comment tu t'es senti? J'aime beaucoup ton style. Cool. Tout en rotation. Ouais, c'est ça. Donc là, on a un buffle. Non, mais c'est ça, hein. Un bulldozer. Et là, donc, plus. C'est du grappling traditionnel. Donc, moins adapté au MMA, ce que tu fais. Plus. Ça, ouais. Voilà. Du coup, ouais, j'ai essayé de prendre une garde sautée. Mais du coup, ouais, c'est pas adapté pour le MMA parce qu'il y a les frappes. Ça, c'est pas grave, c'était pas du MMA. Mais, du coup, ouais, quand je prends très fort, je m'attendais exactement à ça. C'est-à-dire beaucoup de. Phase de scramble, etc. C'était magnifique ta sortie. Hein, ouais, c'est je ça, pensais ouais. qu'elle était prise et tu as continué à tourner. Ouais, tu as senti ça. Que l'air te manquait à un moment? Ouais, en gros, ouais. Je l'ai senti, mais j'ai essayé de ne pas trop paniquer et suivre le mouvement en rotation. Et puis ça l'a fait. Hein. Mais franchement, ouais. Rappelle-nous le nom de ton prof. Jules Saint-Garé. Voilà. Et bah, tu sais quoi maintenant au club et ben, tu tourneras avec moi. Je veux tester. Bravo, beaucoup. Bravo à toi. Merci beaucoup. Prochaines échéances? C'est demain? Peut-être, ouais, demain. Comme ça, peut-être. Ouais, je vais aller là-bas, on va voir s'il y aura des adversaires. Normalement, on est pas mal. C'est quoi, c'est un open? C'est un tournoi à plusieurs en Espagne. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire beaucoup de combats dans la même journée. L'année dernière, je l'avais fait. Amateur? Amateur, bien sûr. Et du coup, l'année dernière, j'avais fait 4 combats dans la même journée. J'ai remporté la ceinture là-bas en 70. Et là, cette année, je vais le faire en 66, ma vraie KT. Et on verra bien demain. Pour une deuxième ceinture, éventuellement. Un grand malade. Et en plus, c'est dans le sud-ouest de la France. C'est en Espagne. Oui, Saint-Sébastien. Merci Hugo. Merci à et vous pour l'invitation. On se revoit quand je passe dans le sud. Avec grand plaisir. Voilà les gars, fin de vidéo. On a reçu l'équipe de France de MMA. On peut l'applaudir. Et nos spécialistes émérites qui leur ont donné du fil à retordre. Pareil. Plein de courage pour cette équipe qui nous représente donc à l'international. On met le pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne Karaté Bushido. Et moi, je vous remercie encore une fois. Vous avez été excellent. Merci à vous et à très bientôt. C'est possible? Laissez-le tranquille, c'est pas possible. Non, il n'y a personne qui vient avec cette touffe. Mais il va se coiffer, t'inquiète pas. Je suis sûr, il y a un truc dedans. Hop, hop, hop. T'as kiffé voir les normes de l'équipe de France de MMA amateur? Tu vas aussi kiffer les interviews. Regarde, on t'envoie quelques extraits. La bagarre. Ah.
La bagarre directe. Je compte intégrer l'UFC et atteindre les sommets de l'UFC. Plein un grec, hein. Adjiren Biggie et supplément Ashida. Ma préférence, c'est le striking, mais je suis fort dans tous les domaines.